Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On est sur une Saint-Assez. On est encore là sur une Forge Magie pour le plaisir. C'est pas spécialement dans un but spécifique. C'est juste pour refaire un item qui m'a apporté des belles expériences de Forge Magie par le passé. Donc j'ai acheté un GHDV et le PA tombe assez vite alors que le G n'est pas encore cassé. Donc ça nous fait une belle tenta pour commencer. On est à 97 ici. J'aimerais beaucoup que l'esquive PM passe. Ah, dommage, on aurait eu un multiple de 6, ça aurait été cool. Tant pis. On a 83 de puits. Donc là, évidemment, on est un peu condamné pour Vita, Sagesse, Puissance. On pourrait partir en Over Vita parce qu'elle est pas très belle. Mais pour la première tenta sur l'item, je crois qu'on va s'accorder le plaisir de se balancer 13 tenta res, évidemment. Je pourrais. Alors, attendez voir. J'ai 83 de puits. 83 de puits, ça veut dire que j'ai 5 en rab. 5 en rab, c'est une tenta puits. Une tenta sagesse. Ok, donc moins 5. Et là, j'ai tout pile mes 13 tentas. Voilà, on va pas gaspiller du puits quand même. On aurait peut-être pu, avec un succès crit, grappiller un meilleur G. J'aurais pu crit ini, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, 13, 13, ça devient bien. Faut pas être trop gourmand. Hein. On va faire pour 100 feu. Le petit fusionné dessus, les amis. C'est parti, allez, 1, 2, ça commence bien. Je veux voir un 4 pour cette première tenta. Oh, bon, 3. Ça commence bien, super. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Allez, on s'y met sérieusement. 73 de puits là-dessus. Bon, j'ai passé la rune un peu vite, la padocrie, mais bon, allez, ça passe. La Vita, que fait-on avec ça? Je pense que je vais devoir pavi. Moins 3. Ravi. C'est dommage que j'ai pas de repo pour récupérer un over. Moins 10, bon ça passe à peu près, c'est cool. On va mettre la petite succès ré simple. Hop, moins 10, c'est ok. Bon, on est sur du near perf, hein, on pourra pas faire mieux. Moins 7 pour la sagesse. Moins 12 pour la puissance. Bon, ça peut faire un truc stylé quand même. Là, pas de cri. Allez, c'est là qu'il nous faut du crit. Ok, on en a un déjà. Oh! Hey, j'ai demandé du crit, j'ai du crit, les amis. Que dire de plus? 41 de puits. Je pense vraiment pas avoir du rab. Je vais recruter un petit peu quand même parce que je suis pas remonté plus haut que cette ligne-là. Alors là, j'ai moins 1. Là, j'ai moins 3. Moins reliquat, moins reliquat, moins reliquat. C'est sûr que j'ai pas de rab là. Que fait-on? Et bien là, il faut crit par contre. Hein. Il faut crit à la rune innée par exemple. Allez, un crit, ça me fait gagner une tenta. Un crit. Ah. Avant, j'ai eu plein de crit. Là, maintenant, quand j'en ai vraiment besoin, je ne les ai pas. Bon, écoutez, on va mettre 6 tentas. Ce sera déjà ça. Pas de chance, les amis. On fait ce qu'on peut. Hein. Le PA. On a le PA. Bah qu'est-ce qu'on fait ça? On va devoir trans hein, sur ce G. Seulement, est-ce qu'on trans là-dessus? En vrai. Le G n'est pas perf. Est-ce qu'on trans un G pas perf, les amis? Vous voulez un PO, mais un PO sur 100 res, sur un item à PA, c'est moche. Je vais vous le mettre parce que vous aimez ça et ça vous fera un item à PO. Mais c'est naze un PO là-dessus. Hein. Voilà. Allez, on enchaîne. 94 de puits. Bon, on n'aura pas le full perf, mais on a potentiellement beaucoup de tentas qui vont arriver. Je vais commencer par la padocrie qui est la plus dure à passer. Qui crit. Les amis, ça peut faire beaucoup de tentas là. Ensuite, on va mettre la ravie. Qui passe. Moins 10. La papuie. Moins 6. Mon cerveau a bugué, tout va bien. Et la part époux, moins 6 également. 72, magnifique. C'est très beau ça. 12 tentas, les amis. Donc voilà ce que je fais, hein, évidemment. Comme c'est ce que je fais sur beaucoup d'items, hein, quand je peux pas avoir le full perf, que je suis capé à la sagesse ou à la puissance comme c'est le cas ici, j'évite de perdre trop de puits à travers le perf Vita et je me fais plaisir sur le nombre de tentares. Donc là, évidemment, on part sur allez, au moins 3, peut-être 4. J'ai déjà fait un 4% sur cet item. 2%.
Pour l'anecdote, mon premier 4% c'était sur cet item et c'était un item que j'avais fait en 3%. J'avais repassé le PA, j'avais joué avec pendant des mois et un coup je l'avais repris et j'ai retenté 1% et j'ai crit et je suis passé à 4. Donc c'était mon premier 4%, je l'ai fait comme ça. En mode what the fuck quoi. 95 depuis, on va aller chercher le moins invita. Je pense que c'est le meilleur call. Là, si je me trompe pas, je peux faire tac, tac, tac. Moins 6. Ensuite, ravi. Ou alors même, on peut grid le perf, le full perf avec de la rune innée. Enfin, inné. On va faire ça, tiens. Je pourrais mettre une rune pod et avoir le moins 1 assuré. Mais on va tenter le moins 6, moins 6. Alors évidemment, j'ai un crit quand j'en veux pas. Ouais, dommage. Moins 5. Et là, moins 6. Ouais, non, mais c'est nul. Bah écoutez, tant pis, j'ai test, hein, j'ai voulu jouer. Pas de regret. Moins 3. Ah, vraiment, là ? 1, 2, 3, 4, moins 24. Ah, ça picote, hein. Allez, les deux cris. Ouais, ça va être... on va être un peu short sur le puits, hein, sur cette tente. Moins 5. Moins 12. Le crit, ok. Le crit nous met bien. On en avait franchement besoin parce que là, c'était chaud. Moins 6. Ouais, ça ne fait quand même pas des masses de tentes. On aura peut-être une belle tente à PO. Qui sait. Moins 6. Ouais, 13 depuis. C'est pas une dinguerie, hein. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Ça me met dans la sauce, ça. Deux fois déjà que j'ai un G presque perf avec un PA. En plus, comme c'est, je pense que c'est même pas rentable de mettre une trans là-dessus, hein. Je l'ai acheté 1,2 million. PM, vous me dites? Après, en vrai, bah PM, c'est nul d'un point de vue opti, mais après, pour vendre... Peut-être qu'un PM pour vendre ça peut être bien. Je sais pas. PO, PM. PM, hein, je pense qu'il y a forcément des gens qui vont chercher des stuff low cost et. Le PM, effectivement, qui me. Bah, c'est naze, hein, mais bon. Du coup, j'avais 1. J'ai plus 42. Plus 100. Moins 90. En vrai, why not? C'est vraiment être bloqué hein, quand on est proche du near perf là. Enfin, proche du perf. Alors, 1, 2, 3, 4. Moins 28. Je recycle ma tenta, les amis. On y retourne. Bah, pourquoi pas en vrai. Hein. Allez, 4. C'est un peu abusé quand même là. Le PA. Pas de PA. 99 depuis. Bon, on n'aura pas le full perf une fois de plus. J'hésite entre chercher le 349 Vita ou alors juste aller à 347 et avoir plus de tenta. Je pense que comme on est là un peu pour le plaisir et tout, et que c'est pas spécialement pour jouer en PvP, je vais pas tryhard le 349 dans ce genre de cas de figure. Je vais simplement essayer de maximiser mon nombre de tenta res. Donc on est parti. Moins 3. Moins 10. On va faire ça avant, tiens, hop. Essayer de s'occuper des sujets aussi vite que possible. Moins 2. Allez, on va mettre la pas de cri qui passe. Eh, ça crée bien les pas de cri, ça fait plutôt plaisir. Ok, moins 6. Mais écoutez, que dire, c'est magnifique, hein. J'ai bien fait de partir sur le 347. Merci à Allmoney pour son prime, notre cher donateur d'hier, si ma mémoire est bonne. Les amis, 13 tenta. Bon, je veux un chat qui me colle combien de pourcents vont sortir. Qu'en pensez-vous? Combien de pourcents on a là-dessus? Moi, je dis... Je dis 3. Je dis 3. Allez, 1. 2. Petit troisième. 3. Peut-être le 4, hein. On a encore 6 tenta. Bon, c'est déjà un joli 3%. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On n'a pas le PA. 95 depuis, tenta potentiellement sympathique. Bon, la Vita 345, on va l'accepter pour... toujours pareil, hein, même raison, pour avoir plein de tenta res et se faire plaisir.
Je vais commencer par les lignes qui sont en sujet, c'est-à-dire ici. Ok, j'ai moins 15. Ici. Moins 2. Allez, hop. Moins 15. La rappui. Moins 20. La part époux. Moins 6. C'est pas mal. Pas mal du tout. Hein. Et là, si j'ai un moins 7, je suis en multiple de 6. C'est magnifique. Quelle optimisation du puits, les amis. On n'engage pas une miette. 5 tentats, puisqu'on est évidemment à 32 puits. C'est parti. 2%, ça peut faire une jolie tenta PO. Parce qu'on a le PA là-dessus. On n'a pas le PA. 98 de puits. Bon, il va falloir faire un over. On va déjà commencer à monter les pares époux à 17. Pour ne pas être en sujet. Moins 6. Ok. Allez, la Vita. Il y en a qui aimeraient, dans ce cas de figure, irait à la pavie pour aller chercher le 350. Mais c'est vraiment un coup à s'exposer le puits. Je préfère la ravie, c'est quand même plus safe. Moins 20. On va remettre une petite runinée. Hop. Voilà, on a le 350, c'est pas mal. Allez, je call le crit à la pas de cri. Ah, mon call n'a pas marché. Mon call n'a vraiment pas marché. Alors là, c'est un échec complet. Dommage, ben on perd toute la tenta là-dessus. Hein. Les pas de cri, ça pardonne pas. Hein. Si ça veut pas, ça veut pas. C'est juste, c'est fini. Hein. Moins 12. Merci à Autoprumen pour le prime. Merci à toi, bienvenue. Sur cette magnifique tenta, comme tu peux le voir. Moins 14. On a un magnifique 2 de puits, les amis. On peut lâcher notre meilleur crit à la rune puits, évidemment. Le PA qui passe. Évidemment, quand c'est des jets éclataxes comme ça, ça passe. Hein. Bon, bah en vrai... En vrai, PO. C'est naze, hein. En termes d'opti, c'est dégueulasse, mais pour vendre et pour continuer la FM, je pense que PO, c'est le mieux ici. Allez, on enchaîne. Les amis, c'est fou. C'est fou parce que j'étais en train de me dire, à chaque fois que je raconte un truc au chat, le PA tombe exactement quand je veux. Là, j'étais en train de lâcher ma meilleure histoire, et évidemment, le PA qui tombe juste quand j'avais une petite voix qui me disait « Ce serait pas mal que le PA tombe, là. » Regardez-moi cette magnifique tenta. On a une ravie à mettre, les 2 plus 3 à mettre en bas, et on a une tenta de malade. Donc, let's go. Moins 10, alors j'ai même pas compté, j'ai 90 là, et vu le nombre de crit et de... Je pense que j'étais à 90, hein. Hop, donc moins 10. C'est vraiment très très beau. Hein. Alors, là le crit je le voulais bien maintenant éventuellement. Moins 30, bon on n'aura pas les 15 tentas de runes, mais bon. Vu qu'apparemment il n'y a aucune corrélation entre le nombre de tentas res qu'on a et les res qui passent au final. 32, bon bah 5 tentas, ça peut faire un 4%, tout est possible les amis, tout peut arriver. J'ai 2 en rab, on va mettre une rune puits quand même, on va pas abuser. Pas de gâchis de puits. Let's go. Bon, c'est pas insane, mais c'est toujours ça. On n'a pas le PA. 94 de puits. On n'aura pas du full perf, on va faire avec. Que faire de la Vita? On va aller chercher... comme ça. Voilà, avec du crit en plus, évidemment, on se régale. Et là, il me faut de la rune plus 1. Et espérer avoir un moins 6, et sinon je suis évidemment dans la sauce. Et voilà, les amis. Parfait. Pour une fois que ça se passe à peu près bien. Tiens, on va mettre une part époux. Je call le crit. Le call est raté, les amis. Mais on s'en sort quand même. Allez, on va mettre la pado. Moment clé du FM. Ok, ça passe. Merci pour le sub gift. Twarz, c'est gentil. On va mettre la passa.
moins 9. On va mettre la papuie. Moins 6. L'esquive PM. 14. Ça fait quand même des tentats où il reste plus beaucoup de plus à la fin, hein, même quand ça part bien. Hein, c'est quand même délicat tout ça. Alors, c'est moyen drôle ça par contre, hein, les repos qui ne passent pas. Bah écoutez, la sauce là, la sauce totale évidemment, le PA qui repasse forcément là-dessus. On va bidouiller ça comme on peut. Ouais, bon on enchaîne, tant pis. 94 depuis. Bon, c'est pas magnifique magnifique, alors là je vais quand même faire un over vita parce que 344 c'est trop moche. Alors toujours plus de crit, hein. Continuez les crits s'il vous plaît. Ok, bon. Je vais mettre la pas de crit, plus la métaux, moins j'ai de chance que ça passe mal, voilà. Ça crit, bah ça me fait une sacrée tenta en vrai là. On n'aura pas le full perf, mais on peut avoir beaucoup 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 de tenta raise. Là j'ai moins 2. Et moins 12, donc moins 14. 74. Je peux mettre une puits. Je vérifie que j'ai bien tout. Et 12 tenta. Écoutez les amis. C'est quand même. Moi je pense 4%. Là. Je colle le 4. Je colle le 4, hein, j'en doute pas une seconde. Ah non, c'est ma faute, j'ai douté sur la fin, ma confiance a vacillé, et évidemment on a que 3. Bon, est-ce qu'on a le PA là-dessus les amis? On n'a pas le PA. 98 depuis, c'est pas mal. La vite à 305, qu'on va over. Bon, comme d'hab, hein. Hop. Alors, ok, bon, j'ai le moins 5, c'est ok. On retombe sur nos pattes. Alors là, je veux un crit là-dessus. Voilà. Allez, un deuxième. Bon, c'est très correct, hein. Très très correct. Ça nous fait une belle tenta. Moins 18. Et le crit. 56 depuis. J'ai 2 en rab. Ça va partir dans la puissance. Et 9 tentarèse. Allez, let's go. Petit 3% peut-être. Et non. Est-ce qu'on a une tenta PO là-dessus? Et non, on n'a pas le PA. On enchaîne. 92 de puits, c'est pas ouf. Mais on va voir ce qu'on en fait. Je pense que je vais y aller à la pavie, là. Voilà qui est fait. On a 5, moins 15. Bon, allez, on va monter la vie directe, ce sera fait. Tac, tac. Ok, ça passe plutôt bien. Bon start, hein. Bon start. On va monter... Les repos, moins 12. La puissance, on va aller chercher le perf. Je suis un peu inquiet pour le puits qu'on va avoir à la fin. Ok, si j'ai un mélange de succès crit et succès neutre comme ça jusqu'au bout, ça me va très bien. Moins 12. Il me faut absolument un crit à la pas de cri, sinon je suis dans la sauce. Et même sans ça, ça va être compliqué. La boulette. Tant pis. 97 depuis. Allez, on va aller chercher le full perf à la pod. Moins 10. Plus 0,1. D'ailleurs, là, j'avais... Plus 0,6. Hein. Je ne l'avais pas compté, mais bon, si on doit jouer sur les décimales, autant y aller à fond. Les deux cris. Donc là j'ai moins 2,5.
Oui, le crit, oui. Moins 15. Ok. Repou. Moins 2. Esquive PM. Qui crit. Je la sens bien l'attentat là. Bon, effectivement, alors balancez-moi vos meilleurs crits, hein, let's go. Moins 6. Et moins 6. Ok, enfin on a quelque chose qui ressemble un peu à quelque chose. 56. Allez, on va mettre une rune puits. Et 9 tentas. Let's go les 2%. Allez, un troisième. Ah. Le PA. Pas de PA. 92 de puits, on a le perf sagesse. On aura le perf vita à la pod. C'est pas trop mal. Moins 10. On commence avec un. Des runes qui passent bien, c'est cool. Et ben en vrai, c'est une grosse tenta ça. Hein. C'est vraiment une grosse tenta, les amis. Yes! Le crit à la pas de cri. Peut-être une grosse tentacule qui va arriver. 67. Bah écoutez, on est parti sur 11 tentares. Ça va être très chouette. Allez, go. Go. Passe. 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 Ok, j'ai peu d'autorité sur les runes, a priori. Ça marche pas très bien. 2% les amis, est-ce qu'on a une tenta PO là-dessus? On a le PA, donc tenta PO. Est-ce qu'on a le PO les amis? On n'a pas le PO. 94 de puits. Bah let's go en fait. Hein. Ravi. 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 Moins 20. J'ai 22 en rab. On va mettre ça. Ah bah super. Je vais bourriner les répous. Alors par contre, si ça me full crit, c'est un peu abusé ce qui vient de se passer là. On en parle ou on n'en parle pas? Bon. Il me faut du moins 6. Ah dommage. Tant pis. Ça tentait. Allez. La pas de cri. C'est correct. Allez, les répous là, il n'y a aucun sens. Hein. Allez, la papuie. Moins 6. Ça peut faire un truc sympa. En espérant que je ne perde pas trop sur la sagesse. Moins 9. Non, c'est bien. 47 de puits. Il me faudrait un de plus. Est-ce que j'ai une chance d'avoir eu un peu de rab avant? Là, j'ai eu plus. Si j'avais une esquive PM sur la ligne là, j'ai plus 2. Et là, j'ai moins 3. Ah non, c'est nul. Il me faut un crit. Allez, le critini, les amis, on le veut. Et non, je peux encore gagner. Je peux encore tenter un crit à la. Sur une rune qui pèse 2. Et non. Bon, on va arrêter de forcer. On a donc 7 tentares. Allez, 1, 2. 2%. Est-ce qu'on a une tenta PO là-dessus? Oui. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. 95 de puits avec un petit doute sur ce qu'il y avait avant, mais on verra si on en a besoin. Bon. Allez, on va y aller en 340. Bah non, je vais pas abuser. Je sais qu'il est tard, mais on va pas faire le fragile. Hein. J'ai presque été faible l'espace d'une seconde, les amis. C'est dramatique. Allez, on a un petit overvita. On récupère à la repousse. Si je fais pas une série de 10 000 crits comme tout à l'heure, let's go. On va mettre la par repousse. Yes. Le crit qui passe, moins 10. C'est pas trop mal en vrai. Hein.
les deux cris. Moins 5. Allez, là, pas de cri, tout se joue là. Un crit, s'il vous plaît. Ah! Ok. On retombe sur nos pattes. La part époux. Moins 6. Les esquives PM. Moins 7. 39 de puits. Bon, allez, on va faire une tente appui. Bon! Allez, on a une corde à tata. Eh non, mais je le fais tout le temps parce que théoriquement, faut le faire, mais j'avoue que c'est rare quand même. Et là, je vous cacherai pas que bah, je me dis, bah, ça vaut la peine de s'embêter quand même. Du coup, j'ai encore une tente appui. Ça m'a surpris. Waouh! C'était donc pas inutile que je fasse ça depuis toutes ces années. Waouh! Quelle surprise, les amis. Incroyable. Allez, bon, évidemment, 0% de reste sur les 6, on connaît. Voilà. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Alors là-dessus, on va tenter... Allez, une res mêlée. Parce que j'aime ça. Let's go. Ça crit pas. Dommage, hein, j'aurais préféré le crit à la res mêlée qui a la puissance, mais on crache pas quand même. Allez, on continue. 95 de puits. Je pourrais bourriner la pavie, mais trop dangereux. On va y aller à la rat. J'aurais peut-être mieux fait d'y aller à la pas, tant pis. Moins 30. Ouais, je vais aller à la repou. Ok. Allez, encore. Moins 2. Bon, j'ai un petit problème de 2 cris. Hein. Je vous avouerai qu'on va bourriner le 2 cris. On va espérer que ça se passe bien. Ouf. Easy. Tranquille. J'étais sûr que ça allait bien se passer. Non, j'ai chaté, hein, très franchement. La puissance. Moins 12. La repère neutre. Moins 6. La part époux. Qui crit. 40 de puits. Je vais mettre 2 runes puits. Et si tenta repère. Est-ce qu'on a une tenta PO là-dessus? Et non. 95 de puits, vita abominable. Mais l'overpass, donc tout va bien. J'ai donc... ouais, j'ai un bel over à retirer là. Je pourrais y aller à la pod éventuellement. Mais bon, on va déjà mettre ça. Encore. Là, je peux mettre... Ah, mais si ça passe, ça me met dans la sauce aussi. Bon, on va, tant pis. Évidemment, le crit qu'on veut pas forcément. Que faire? On va y aller à fond. Hop. Voilà, moins 2. Les deux cris, let's go. Tac, tac, tac. Moins 5. Allez, on va mettre les deux pas d'eau direct. Pas le temps de niaiser. Et voilà, moins 15, mais bien sûr. Le crit. Moins 10. La passa. Moins 9. La papuie. Moins 12. L'esquive PM. Moins 7. La part époux. Moins 12. 13 de puits. C'est pas glorieux. 1%. Parce qu'on a le PA. On n'a pas le PA. 91 de puits là-dessus. Peut-être un peu de rab avant. J'ai un mini doute, mais Osef. Donc voilà. Let's go. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre là. On va monter la vie directe. Sans se prendre la tête, les amis, moins 10. J'ai 28 à récupérer, soit exactement
L'appareil pou qui crit évidemment tout le temps quand on veut pas que ça crit. L'ado cri. La iné. L'appât d'au cri. Ça peut faire une grosse tentaresse. Hein. Moins 15. L'appât ça. Je perds beaucoup sur la sagesse, c'est un peu dommage. 39 restants. Je vais faire une tente appui. Et 6 tentes à raise. 3, 4, 5, 6. Est-ce qu'on a une tente à PO? Pas de PA. 97 depuis. Let's go pour la ravie. Deux fois. Moins 20. La répoue. Ok, la passa. Moins 9. Remettre une paire époux. Moins 6. 2 de cri. Moins 5. Pas de cri. Moins 15. Paire époux. Moins 6. 36, bah c'est parfait. Peut-être un 3%, qui sait. 2%, parce qu'on a le PA. On n'a pas le PA. 95 depuis là-dessus, c'est pas mal. On va avoir le perf vita, perf sagesse, ça fait plaisir. Bah c'est parti. Alors j'ai un vieux lag. Ça me fait un peu flipper. J'espère que ça ne lag pas de votre côté. Donc là j'ai eu moins 15. On va pouvoir mettre la ravie. J'ai eu peur que ça me passe une pavie en trop en fait. Moins 10, mais tout va bien. Merci à CocoICN pour son subgift. C'est peut-être ça qui m'a fait lag, hein, qui sait. Remettre la pas de crit. Elle est très belle cette tenta, vraiment. Hein. Et le crit, évidemment, c'est tout ce qu'il nous fallait. La rappui. Allez, si j'ai un crit là-dessus, je suis si bien. Les amis, les amis! Les amis! Incroyable. Moins 2. Elle est vraiment très belle là. Hein. C'est la dernière de la soirée en plus, mais franchement, ça fait plaisir. Moins 12. 56. Et bah let's go. 9 tentas. Tout peut arriver. Tout est possible. Allez, 1. 2. 3. Peut-être le 4, hein. Qui sait? Ça peut se passer. Allez, 3. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Sur ce beau jet 350-50, on n'a pas le PA. Allez, que faire de la Vita? On va y aller tranquillement, en douceur. Bon, Drew avait call qu'on allait avoir une tenta de merde. Que dire? Évidemment, ça crit et j'ai plus de Runini. Oh, les amis, c'est dramatique ce qui se passe. C'est dramatique. C'est la pire tenta du monde. J'avais dit que j'allais me coucher, j'en ai fait une de plus, c'est le pire truc, je dois aller racheter des runini, les amis, c'est très triste. C'est très grave ce qui se passe là. Parce que je peux même pas mettre une autre rune en plus, je suis vraiment obligé d'aller m'interrompre et acheter des runes, mais c'est vraiment... Ah, la pire idée, quoi. L'erreur, les amis, l'erreur. L'erreur du joueur français, c'est... Je paye très 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 cher, là, le fait de ne pas avoir tenu ma parole et d'arrêter le stream, c'est très très grave. Ça va avoir des conséquences sur le long terme, ça. Horrible. Horrible. 5000 Kamal et ruiné. C'est scandaleux. Je suis ruiné. Tout ça, c'est la faute de Duke qui l'avait call, hein. Qui m'a porté malheur.
Moi, je pense qu'il faut que tu me rembourses mes runinés. Ça me paraît inévitable. Tu es ruiné. C'est marrant, ça. C'est vraiment drôle. Je ris de bon cœur. Hein. Waouh. Allez, on a ça. Ah, bon, on va mettre là. On va mettre notre meilleur pas de cri parce qu'on n'a plus rien à perdre. Et ça passe. Moins 13. Pourquoi j'ai plus que 50 depuis? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas 100 impair normalement? Moins 10. C'est bizarre ça en tout cas. C'est vraiment pas de chance. Hein. Après, si j'ai du full crit. Je demande du full crit, j'ai du full crit. Que voulez-vous? J'ai du crit quand je veux, ok? Et voilà, comme ça j'ai 7 depuis. Et par contre, j'ai un full perf. Est-ce qu'on tenterait pas le PA sans avoir le 1% raise à chier pour mettre une transe sur un full perf. Ah. Bon, le plan a caboté, comme on dit. 94 de puits sur l'attentat la plus abominable de la soirée. Évidemment, on se régale, c'est très moche. Après, bon, si on se fait régaler par le crit, tout peut arriver, hein. Alors, j'ai un petit problème de 18 de crit, si vous voyez ce que je veux dire. On va call. La chance, hein. La luck, la chatte, le bol, tout, tout, tout. Il me faut du vin de cri. Voilà. Je compte moins 35, hein. Ça fait beaucoup quand même. C'est pas facile. Les amis, c'est dur. Allez, elle est ravie. Allez, moins 10, là ça va un peu mieux. Moins 8000. Il fait au moins moins 8000. Et oui, moins 9. On a du crit, on a du crit. Ça va le faire, ça va le faire. Je pense qu'on a du 4% safe. Je n'en doute pas une seconde. Bon, il se pourrait qu'on ait un peu de mal quand même à aller chercher le 3%. Je le conçois. Alors. Bon. Bon, si vous voulez. Je voyais pas ça comme ça à la base, moi. Bon, allez, on continue. 98 de puits sur cette tenta un peu bizarre, mais qui peut donner du lourd. Ça peut clairement donner du lourd. Si la vita n'est pas trop capricieuse. Et ça se passe bien. Moins 10. Repou, je pense, hein. Parfait. Les amis, je sens venir le gros truc. Hein. Moins 5. Bon, ça, c'est la dernière de la soirée, ça, vraiment. Alors. Ouais. Moins 30, quoi. C'était beau jusqu'à là maintenant. J'aurais préféré un petit crit instant à la. À la padocri. Ok, le crit de sagesse qui rattrape un peu les meubles. Alors, j'aimerais bien avoir un de rab, parce que je suis à 53. Et maintenant, j'ai refait mon stock de runinés, j'en ai 500, donc on est safe. En vrai, c'est très peu probable qu'il me reste du puits après ça. Donc je vais tenter le crit. Me faut un crit. Il me faut un crit. Il me faut un crit. Et non. Bon, bah écoutez, 8 tentas quand même, c'est pas trop mal. On se console. Let's go. 2%, dommage, parce qu'on a le PA là-dessus. Dommage, elle était belle, hein. Pas de PA. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a ici. J'étais en train de remonter mon petit jet tranquillement. Là, j'ai un plus 4. Ça peut donner du lourd, hein. Et là, a priori, j'ai plus rien. Donc 98 à nouveau. Et l'item n'a pas tellement bougé depuis la dernière. On va commencer direct par la padocrie. Je veux un crit. Bon, ça passe en neutre. C'est ok, on accepte. La puissance qui va être capée à 50, moins 6. Écoutez, ça se présente bien. Soyons sincères, ça se présente plutôt bien. Moins 12. Ah, 65, est-ce que je pouvais pas avoir un de rab? Un de rab, c'est tout ce que je demande. C'est chaud, hein. Là j'ai moins 1. Là j'ai moins 4. Et là,
qu'on a vraiment envie de compter ça? Bon, on a 65 en vrai, on va le compter, hein. On a 14. Plus 60. Est-ce que vous le voyez d'ailleurs? Ah, vous le voyez pas, attendez, je vous le montre. Voilà, c'est ça qu'on est en train de compter. C'est ici. Donc, j'ai dit 14 plus 60 plus 12 plus 12 plus 3 moins 100. Les amis, on a le 1 depuis! Oui! Mais là, j'ai moins 1. Ah non, j'ai dit là, j'ai moins... Je me suis embrouillé, les amis. Donc là, on avait 1 depuis... c'est... Ah, on me dit que ça bug. Ça lag. Bah oui, j'ai fait de la merde. Non, mais c'est moi, j'ai fait le singe. Bon, là, j'ai 1. La boulette. Ah oui, parce qu'en fait, j'ai supprimé ma séquence, mais en fait, j'avais commencé à dire des trucs dedans. Bon, vous inquiétez pas, tout va bien. Donc là, en fait, on a 65... Je me suis complètement embourbé tout seul, c'est pas grave. Bon, je crois que j'ai essayé de toutes les échappatoires pour ne pas avoir à passer ce crit, mais il nous le faut. Hein. Il nous faut ce crit. Ah, on m'avait dit que j'aurais un crit, je ne l'ai pas eu. Non, du coup, j'ai 64. Écoutez, j'ai deux tentes appuis. Hein. Et là, j'ai dit tente à raise. Bon. Après toutes ces galères... On mérite d'avoir un gros jet. Oh, le crit. J'aurais préféré l'avoir pour le 4e%, je vous avouerai. Mais du coup, on gagne une tenta. Par contre, c'est abusé. Hein. C'est très très grave hein, ce qui se passe sur cet item. Hein. Très très grave. Hein. Alors, on va éviter de se mentir. Comme vous le voyez, on a un PA qui passe et qui retombe. Hein. Disons que le PA a rebondi sur l'item. Voilà, on va se dire les choses très clairement. Bon, il va nous falloir... Un crit, ou un... Enfin, il faut que deux crits passent. C'est tout ce qu'il faut. 3. Voilà! Moins 10. Non mais, je n'ai pas douté une seconde. C'est une question de conviction, c'est vraiment que ça. Hein. Ceux qui n'ont pas de conviction, à la limite, hein, ça dégage. Moins 9. Les amis, on va lâcher nos meilleurs crits à la rapuie, hein, je préviens. Donc là, on a 69 de puits, il nous faut de la rapuie qui crit. Voilà. Bon, c'est ok. Moins 40. J'ai 29 depuis. J'en arrive au même problème, les amis. C'est que. C'est qu'il me faut encore un crit à la ruiner. C'est mon destin, en fait. Genre, j'ai voulu l'éviter tout à l'heure, j'ai pas réussi. Et là, je me retrouve dans la même situation, en fait. C'est abominable. Bon, on a 4 tentaraises. On peut pas faire grand chose de plus, hein, malheureusement. Ah, je peux tenter un crit très neutre. Non. Bon, 4 tentaraises. C'est pas simple, hein. Forge magie, pas facile tous les jours. Hein. Tout ça pour avoir un 2% pareil. Enfin, ça n'a aucun sens, évidemment. 91 de puits sur ce PA qui tombe de façon inattendue. Donc, bah écoutez, ravi, hein. Let's go. Moins 10. On est à 22 à récup. 22, c'est quoi? C'est un 2 cri. Voilà. Là, pas de cri, les amis. Mais oui. Mais oui. Moins 30. Évidemment. Là, pas ça. Qui crit. Là, RPM. Qui crit. Là, pas repo. Qui passe. 45 de puits. 7 tentats. Et non. Ok, c'est pas trop mal. On va avoir per vita, per puits. Moins 3, tac tac. La petite ravie. Qui passe, moins 10. C'est pas trop mal, hein. Allez, la pas de cri. Qui passe, moins 15.
Les esquives PM moins 7. Belle tenta en vrai, hein. Moins 6, les congruences ne sont pas au petit. En vrai, je peux mettre une tenta sagesse. Et 8 tenta raise. Let's go. 2, 3, allez, je veux un 3, je veux un 3, je veux un 3, je veux un 3. Les amis, pas de PA. 98 depuis. C'est parti. Que faire de la Vita? 24 de rab. On va faire comme ça, je pense. Et comme ça. Moins 20. Observez la beauté du move, les amis. Et le perf. On va mettre direct la padocrie. Hop. Esquive PM. Moins 7. La repo. Moins 2. La pas repo. Ah, dommage. Moins 12. Les repères. Moins 6. 41 de puits. On a peut-être du rab. J'ai envie de tenter les 7 et d'être un peu greedy. J'ai pas compté très haut de le plus, donc on va dire qu'on a 7. Est-ce qu'on avait la 7ème? Je réitère ma question. Eh oui. Est-ce qu'on a le PA? Eh non. 94 depuis. On va commencer directement par les deux cris. Crit. Dommage. Moins 30. La passa. Moins 9. La récri. Non, la répou, pardon. My bad. Moins 8. 47 depuis. J'ai envie de dire qu'on a 48. Là, j'ai envie de m'accorder de voir la réalité telle que je voudrais qu'elle soit et pas telle qu'elle est. Donc on va dire qu'on a 48, voilà. Tout simplement. Je choisis. Je choisis qu'on a 48. Bon. Ma petite distorsion de réalité semble être concluante quand même. Parce qu'on a le PA. Bon. Si vous voulez. Mais j'ai pu constater qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas regarder la réalité en face, et en fait, ils choisissent de façonner le monde à, selon ce qu'ils voudraient qu'il soit, en fait. J'ai fait pareil, mais ça marche bien. En fait, c'est free win. C'est évidemment ce que tout le monde doit faire. Bon. Bah écoutez. C'est passé assez tôt, hein. Là, on vient juste de lancer le live, donc c'est plutôt cool. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.